Paola Libre, le média indépendant du pays de Nissa. Bonjour à tous et bienvenue à un café des Igloos. Écoutez Fred, on est vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui parce qu'ici on a évidemment tous les amoureux du jus, tous les fidèles qui se souviennent effectivement de votre... Voilà, c'était mon premier match. Vous commencez carrément contre Zidane. Voilà, ouais. On avait perdu, mais en plus il avait fait faute sur l'Iagis de Saint-Jacques. Il a fait faute, Sénac. Il était monté dessus, il a mis la tête. Et voilà. Mais bon, c'est un bon souvenir quand même. C'était mon premier match en Ligue 1. Alors, on va rappeler un petit peu l'équipe niçoise de cette époque. Il y avait notamment, entre autres, Jérôme Alonso, Thierry Deneff, Jean-Luc Vallucci, Frédéric Hans, qui entraîne maintenant d'ailleurs, Fabrice Mech, Frédéric Joria. Par contre, bon, c'est Mohamed Chaouch aussi qui met pas mal de buts, hein, qui met 12 buts sur cette saison. Par contre, bon, c'est une saison compliquée pour le gym. On termine 16e, donc et puis c'était un petit peu, on va dire, le début de saison démarre un petit peu, on va dire aussi, ça a un petit côté amateur parce qu'on nous disait que le président de l'Époisse était parti à Vintimille acheter des maillots parce qu'on n'avait pas de maillots. Ah oui, non, mais ça. Il était allé sur le marché acheter des maillots pour le club. Le 14, c'était. Moi, je suis retourné là, on m'a fait visiter le centre d'entraînement. Et nous, à notre époque, c'était pas du tout ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont un bel outil de travail, ils ont... on n'avait pas se perdre non plus, parce que le terrain, c'était toujours bon, machin, mais ça n'avait rien à voir, les infrastructures. Et pour revenir, c'était Lionel Etizi, le gardien. Oui, c'est Lionel Etizi. C'est Alonso qui est remplaçant. Voilà. Jérôme, je l'ai retrouvé à l'OM, lui. Oui, après. Observez, Jérôme, il n'a pas beaucoup joué, en fait, à Nice. Et voilà, et puis maintenant, comme je disais à Fred et à Yo et tout, je dis, l'outil qu'il y a, il faut jouer l'Europe là maintenant. Bon, c'est toujours pareil, ça dépend des finances, tout ça, mais ils ont un bel outil de travail. Ouais, entre le stade et le centre d'entraînement, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, bon, même si on regarde bien sûr le second vieux stade Duret, hein, c'est vrai que ça avait l'ambiance. Ah, le stade Duret, c'était. Moi, je rentrais, j'étais. Déjà, en plus, il m'en faut pas beaucoup pour partir un peu. Mais C'était chaud, c'était bien. Alors, on va parler un petit peu de vos expériences et puis de vos rencontres aussi dans votre carrière, notamment à l'OGC Nice. Alors, vous avez, dans une interview à SoFoot, vous avez dit, on vous demandait quel est le joueur qui vous a le plus fait souffrir sur un terrain, et vous avez parlé de rail. Ouais, ouais. Vous disiez qu'il fallait se mettre à 3 pour lui prendre le ballon. Oui. C'était... Et en plus, cette année-là, on avait gagné à Paris. Oui, c'était le joueur du PSG, pour le rappeler, et donc capitaine du Brésil. Capitaine du Brésil, Rai, il y avait Valdo, il y avait Ricardo, il y avait, je crois qu'il y avait Alain Roche aussi, Patrice Colter, tout ça. On avait gagné 3-2 là-bas à Paris, au premier match. Mais Rai, c'était pour lui prendre le ballon, c'était... C'était compliqué, quoi. C'était compliqué, grand, large, très fort, techniquement, donc c'était... Puis un grand monsieur aussi, hein. C'est au niveau mondial. Alors ensuite, la saison suivante, en fait, vous repartez à l'OM en 95-96. Donc là alors, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait et pour quelles raisons vous êtes reparti à l'OM. Il y avait Gérard Gilly à l'époque qui était entraîneur. C'est lui qui vous a fait venir ? Non, Service Tamboudi encore une fois. Service Tamboudi, d'accord. Ouais. Service Tamboudi, il m'appelle. Il y a eu l'histoire OM Valenciennes en 93, après qu'ils aient gagné la Coupe d'Europe. Et l'OM redescend, on repart en Ligue 2. Oui, ils avaient été rétrogradés. Ouais. Et il me dit, bon, j'aimerais que tu reviennes à Marseille pour qu'on remonte de suite. Et c'est là qu'on est parti avec Jérôme Alonso, ils m'ont acheté. L'OM, on m'encadre, parce qu'il y avait Marcel Dibbe, Bernard Cazoni. Il y avait un peu des minots aussi, quand même, je crois. Ouais, les minots, il y avait Jean-Christophe Marquier qui est venu ici, mais après, ça ne s'est pas très bien passé pour lui ici. Ouais. Et puis moi, ça s'est mal terminé là-bas pour moi aussi. Oui, je crois que c'est une petite altercation, enfin un petit quiproquo avec Gérard Gilly. Je crois qu'à la mi-temps, vous êtes sorti avec Manuel Amoros, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Et vous êtes allé voir le match dans un café ou je sais pas. Chez Manu. C'est-à-dire que c'était OM Valence et je jouais milieu droit et lui arrière droit. Alors Valence qui joue en Ligue 2 ou Valence espagnol? Non, Valence qui joue en Ligue 2. On était en Ligue 2. Et à la mi-temps, Gérard Gilly sort, dit Tata et Manu, vous sortez.
On se regarde, on ne comprend pas, il est 0-0. Emmanuel énervé, moi aussi, il me dit Fred, eh bien, on va voir la deuxième mi-temps à la maison. On a pris la douche, on est parti. Lui, Manuel Amoros, c'est passé comme une lettre à la poste. Et moi, qui avais 24 ans et demi, il m'a sacré après. Après, il m'a. Voilà. Et donc, j'ai voulu revenir à Nice. Oui, l'OM, en fait, a racheté votre contrat, Marc Nice a racheté votre contrat à l'OM pour que vous puissiez revenir. Donc, c'est la saison 95-96. 95-96, non, ça, c'est super. 96-97. 96-97 suivante, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, là, la fameuse année de la Coupe de France. Voilà, là, on a gagné la Coupe de France. Alors, cette année, donc, alors 96-97, vous revenez à Nice. Vous connaissez bien sûr la plupart de l'effectif qui n'a pas trop bougé, je crois. Oui, non, je connaissais, mais je me sentais bien ici, moi. J'aurais pas dû, c'est pas un regret, il faut jamais rien regretter, mais comme ça s'est mal terminé, mais c'est comme ça, il y a des choix des fois à faire. Et à Nice, j'ai toujours été bien, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis revenu. Et quand je dis que ce club, il est dans mon cœur, parce que c'est la vérité, je suis marseillais, je ne renie pas. Mais pour moi, Nice, c'est plus dans mon cœur que Marseille. Alors on va venir à cette famille. On va venir à cette famille des copines. Les copines, vous aviez dit, le déclencheur, c'était la qualification à Bastia. On sait, un joueur à Bastia, c'est toujours compliqué. Et là, vous passez au tir au but. D'ailleurs, on se souvient, nous, les trois fois, on passe au tir au but. Donc parlez-nous un petit peu de cette épopée, comment vous l'avez vécu, vous, côté joueur. Alors qu'en championnat, on n'est pas très bien. Mais à la coupe, vous savez, c'est vrai, c'est les petits peuvent gagner les gros. Il n'y a pas les matchs de Coupe de France, de la Ligue, ou bon, je ne parle pas de Coupe d'Europe, mais la coupe, c'est spécial. C'est sur un match, c'est élimination directe. Et puis, il y a des équipes amateurs, même des fois, qui font des surprises. On l'a vu encore les derniers en Coupe de France, avec un. Et du coup, ça s'est bien oublié, on est passé, on a gagné au pénalty. Moi, je pense que le tournant, c'est à Bastia. Parce que les Nice-Bastia, Bastia-Nice, c'était quand même assez chaud. Et j'ai toujours connu. Bon, j'ai fait beaucoup de clubs dans le sud, moi. Donc, j'ai connu pratiquement tous les derbys. Que ce soit Nice, Marseille, Nice, Merci. Toulon, Nice, OM, Nice, Cannes. J'ai fait pratiquement tout, Nice Bastia, Nice Ajaccio, les derbys, je les connais bien, et je pense qu'on a gagné la Coupe de France à Bastia. On a gagné contre Guingamp au pénalty aussi, mais c'est là-bas qu'on a. Il fallait passer là-bas. Et alors le fait de faire monter 30 000 Niçois. Au stade, ouais. ça a été aussi quelque chose d'important. Ah oui, oui. 40 000, vous dites-vous ? C'était tout rouge et noir. Hein. Ah oui, bon. C'est la vitale aussi. Et les gagnants, rouge et noir aussi. Mais bon, nous, on entendait nos supporters, on entendait. Et puis le final, ça se gagne. Et on avait un groupe, on était soudés. Même si on n'était pas bien en championnat, mais on était soudés, on avait envie de se battre on est arrivé au pénalty, et puis une fois de plus, c'est passé au pénalty. Alors, on a reçu Sylvester Attacac l'année dernière, on a reçu aussi quelques joueurs de l'épopée aussi, 97, qui étaient venus d'ailleurs, on était dans le hall, et on a reçu Sylvester Attacac qui nous disait, donc il nous avait parlé de vous, il avait dit, bon, bah, à l'époque, il y avait Thierry Créti qui était. Qui était libéraux. Oui. Et vous avez dit, bon, vraiment, je pensais s'il avait déjà joué libéraux. Il m'a dit, oui, j'ai joué libéraux en minime, c'est pas rare, tu vas jouer libéraux. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et en fait, vous avez dit, on était dans une chambre ensemble, on était. C'est M. Taka qui m'a. Vous l'avez vu quand vous êtes revenu il y a un mois pour le match contre l'OM, non ? Qui ? Thierry Créti. Ah oui, mais je voulais le revoir aussi, mais lui, on va être à la tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc vous allez lui dire, je t'ai quitté ta place, vous allez changer. Non, je l'ai vu hier soir aussi. Non, vous avez pas remis une couche, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est passé comme ça. Quoi. C'est au Havre, M. Taka qui m'avait tapé à la porte.
Il m'a dit, Fred, tu as déjà joué libéro? J'ai dit oui, une fois, minime. Oui. Il m'a dit, mais là, tu resteras libéro. Alors, si vous avez un souvenir de cette. De ce match, de cette finale aussi, bon, je sais qu'il y a eu il y a un moment inoubliable, c'est quand vous jetez Jean-Philippe Mathieu dans le port. Vous étiez là, vous, il paraît que c'est vous qui l'avez poussé d'ailleurs. Voilà, mais on a tellement fait aussi que. On a des anecdotes aussi. On a arrêté les voitures à l'Arc de Triomphe pour qu'ils boivent le champagne. C'était les premiers, je suis jeune en fait. On était champanisés, ouais. On était champanisés. Alors attendez, j'en suis où là dans cette histoire? Alors oui, on parle de cette saison. Alors cette saison, bon, évidemment, il y a ce bonheur, on se souvient tous de cette joie en finale, et puis il y a cette déception de descendre en Ligue 2. Comment vous expliquez-vous un peu ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde de l'équipe cette année-là, quoi, de descendre d'une division alors qu'on est... Oui, c'est paradoxal, hein, mais la coupe, comme je vous dis, c'est spécial. Le championnat, on travaille toute la semaine. Et après, je ne sais pas si on pourrait se poser la question, si nous, on préférait jouer la coupe, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question, si on préférait jouer la coupe que le championnat. Mais ce n'était pas du tout ça. Hein, et peut-être qu'on avait une équipe pas extraordinaire aussi. Et puis, en championnat, il y avait un engrenage aussi, en fait. À force de perdre les matchs, on avait du mal à. Et puis après, voilà, on s'accrochait à ça, puis c'est passé comme ça. Alors cette saison-là, donc le club, on le rappelle, hein, le G6 descend en Ligue 2, et joue pourtant la Coupe d'Europe, puisqu'on gagne la Coupe de France. Et vous partez à Toulon. Vous partez à Toulon en D2 à l'époque, division 2, on appelle ça. Alors pourquoi vous partez à Toulon? Pourquoi vous ne restez pas sur Nice? Mais parce que j'appartiens toujours à l'OM. Tout à l'heure, je ne vous ai pas voulu vous reprendre, mais quand je suis revenu à Nice... Vous étiez prêté, en fait. J'étais prêté. D'accord. J'avais signé 4 ans à l'OM. Je suis resté un an. Je reviens à Nice. Et après, j'appartiens à Marseille. Donc le club Nice descend. Mais j'appartiens à Marseille. Il faut que je rentre à Marseille. D'accord. Je rentre à Marseille. Et moi, je veux rester à Nice. Ils me font pareil, tourner en bourrique. Et finalement, je récupère le contrat. Après, ça, c'est tout le contrat de Jean-Marc Ferreri à Toulon. On me dit, maintenant, on va te prêter à Toulon. Et avec mon manager, on essaye de voir ce qu'on peut faire avec le GC Nice. Et puis, ça, j'appartenais à Marseille. Vous faites donc là ensuite vous faites une saison à Toulon, c'est ça? Oui. Ouais. Même pas une saison, j'ai fait trois quarts d'une saison. Parce que j'étais arrivé au mois de. Pas l'été, quoi. Parce que j'étais à l'OM. D'accord. Alors ensuite, alors comment ça se passe après votre retour alors? L'année suivante? Eh bien moi je vais revenir ici. Alors, vous êtes toujours sur contrat avec l'OM encore? Là non. Là non. Là j'ai résilié. Finalement, on résilie le contrat. D'accord. Et je fais ce que je veux. D'accord. Et je reviens ici. Donc là c'était. Alors à l'époque, c'était d'abord Victor Svanka, l'entraîneur. Oui. Après ça a été Guy David. Oui. Un grand monsieur d'ailleurs. Très grand monsieur pour moi, qui a été très important dans ma carrière. Voilà. Et donc on va rappeler l'équipe de l'époque, Patrice Adrapanti, qui était là avec nous tout à l'heure, Bill Chateau, Thibaut Scotto, Manu Noguera, Dominique Lallier, dont on parlait aussi tout à l'heure, Damien Gregorini. Oui. Donc, et là on est toujours en Ligue 2 et on fait une saison assez moyenne, hein, oui. Il faut le dire. Oui, et l'année suivante, on est avec Daniel Bravo, José Cobos, Marco Grassi, Noé Navarro, Eric Humillier, Manuel Chéral, Pablo Rodriguez. Et Pablito. Pablito, Jean-Christophe Marquet. On ne fait pas une meilleure saison non plus. Hein. Ouais. On ne fait pas une meilleure saison non plus, mais bon, après on se battait. Jean-Christophe Marquet. Et voilà. Jean-Christophe Marquet. Et James Deba aussi. James Deba, oui. Vous disiez, donc, c'était un des joueurs, enfin, un des meilleurs joueurs avec qui vous avez joué, James Deba. Ah, moi, je préférais Nagbe. Je préférais Nagbe, moi. Joe Nagbe. Oui, oui, oui. Parce que déjà, il était plus fou, par contre. Hein. Non. Ah non, c'est le contraire. C'est James Deba qui était plus fou que... Ah ouais, ah bon, James Deba, James, il fallait le... Il est analysé Non, Joe, il parlait pas beaucoup. Il parlait c'est pas... Vrai, c'est c'était Monsieur Muscle, c'était... mais très fort, très... Non,
C'est peut-être le joueur qui m'a le. Avec. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu ou quoi, mais comme gardien, moi j'ai pas connu Hugo Lloris. De toute façon, à Nice, il y a toujours eu des bons gardiens, toujours. Hein. Merci. Et Lionel Letizy était très fort. Donc ça, c'est les deux joueurs, moi, c'est les deux joueurs avec qui je pense qu'à Nice, sans faire offense aux autres, il y a eu des très bons joueurs, hein. mais je pense que c'était un niveau au-dessus. Mais c'est normal, Lionel hein, était en équipe de France aussi, et peut-être qu'après ça sera Hugo Lloris qui reviendra ici. On va passer à quelques questions de supporters, après on va reprendre le cours de l'interview. Alors, qui a une question? Merci, au revoir. Il y avait trois. J'ai tout dit. Il n'y a pas de question? Personne n'a une petite question? Le pronostic de ce soir. 1-0 ou 2-1 pour Nice? Alors à l'époque aussi, le président de l'époque vous avait demandé de reprendre l'équipe. Moi ça m'est arrivé de ça fait deux fois ça. Ouais, là, moi ça m'est arrivé en Suisse, à Créteil, ici à Nice. C'était pour remplacer Guy David d'ailleurs. Oui, non, mais ça c'est... Non, je ne pouvais pas remplacer Guy David, moi c'est lui qui était mon entraîneur et je suis quelqu'un de parole. C'est pas possible. Mais ça m'est arrivé une nouvelle fois avec Guy David aussi en Suisse. J'ai refusé, puis ça s'est mal passé pour moi. Enfin, il m'a fait. Après, c'est des trucs de pression. Tout ça. Alors après, vous êtes parti. Après, vous quittez le club. C'est là que vous partez à Créteil, je crois. Hein. Oui. Donc vous partez à Créteil qui est en. Normalement, je pars pour un an encore. Et puis vous restez deux ans. C'est-à-dire que je ne veux pas pour Nice. Je suis dans l'équipe. Enfin, l'équipe. Avec Fred Joria, Roger Ricord, Guy David, tout ça. Et moi je dis, c'était celle-ci, le président de la Roma, qui était le patron de l'OGC Nice. Il y avait Salvi, là, il y avait des Italiens. Et moi je leur ai dit, c'est là qu'après on avait dit, c'était passé dans les journaux, le clan Bravo, le clan Tatarian. Encore Daniel et moi, on s'en foutait. Donc, c'était pas. Bonjour, on n'avait pas de soucis. Je viens de le croiser la dernière fois, on a parlé pendant 20 minutes. J'ai dit, moi je ne peux pas travailler avec vous. Vous voulez virer, vous me virez avant. Vous me donnez mon année de contrat et je m'en vais. Donc finalement, avec ces gens-là, mais après c'est un cercle fermé le football. Hein. Donc un appelle l'autre. Et je suis repassé par Luis Fernandez. Et il y avait Créteil. Qui avait monté une équipe pour remonter en Ligue 1. C'était avec Afflelou et Pedretti, l'ancien président de Cannes. Exact. Donc je dois aller à un an, Roger, il me dit tu reviens l'année prochaine. Et après, bon, moi, c'est arrivé aussi, j'ai dit, moi, presque mon contrat était là pour que je reste à Nice après ma carrière. Et je fais un an, ça se passe mal ici à Nice, pour ce qui peut se passer, quoi. Bon, moi je suis au courant sans être au courant, mais je suis quand même l'affaire. Parce que moi dans ma tête, c'était je faisais un an à Créteil et je rentrais à la Nice. Et finalement, et après, bon, ça s'est pas fait à Nice, c'est pas décousu, quoi. Afflelou me propose un contrat en Ligue 2, mais comme en Ligue 1. Un bon contrat. Je re-signe à Créteil. Et Créteil, ils font quoi ces deux années-là? Pareil, super mitigé, très mitigé. Et pourtant, on avait des joueurs comme Nicolas Wiesmann qui arrivait de Metz, Jean-Luc Dogon, Steph Cassar. Qui arrivait de Bordeaux. Voilà, j'avais de Steph Cassar de Sochaux. Voilà, des joueurs. Des joueurs de Ligue 1 quasiment. Voilà. Voilà. On était Franck Istiol, Sébastien Dallé, Xavier Mérigue de Lens. On avait une équipe. C'est là que j'ai rencontré Samy Traoré. Qu'on a reçu il y a un mois ici. Samy. Bah oui, parce qu'il est Créteil, forcément. Voilà. Il jouait à l'époque, non? Si, il jouait, oui. Oui, il était en équipe aussi. Bah, vous ne l'avez pas cité, c'est pourtant un grand joueur. Par la taille, au moins, déjà. Ah oui. Lui, je lui ai fait plus ou moins ses contrats, parce qu'il ne savait pas faire les contrats, lui. Il ne savait pas. Non, ça, il pourra vous répéter ce que vous dites. Bah, lui, vous savez que si vous le revoyez, vous lui direz, ici, il a conduit 4 ans sans permis. Hein.
C'est-à-dire que moi, ça, je le savais, mais depuis Créteil. Il nous l'a annoncé ici. Hein. Moi, ça, je le savais depuis Créteil. Ça. Il nous l'a annoncé ici, il y avait deux policiers dans la salle, après, il l'a emmené avec les menottes. Parce qu'à Créteil, il arrivait à le match. Il arrivait en Mercedes, il avait pas de temps. Oui, il avait pas de temps. Enfin bon, un sacré numéro, hein, ça nous prend. Et donc après, vous dites, vous avez déclaré dans une interview, je suis Amérique du Sud, donc bon, ça me manquait à moi, le Sud, et surtout à ma famille. Et donc, vous avez eu des propositions, notamment à Montpellier ou à Bastia, et puis finalement, vous êtes revenu. Alors, c'est là que vous êtes parti sur Cannes, hein, c'est ça? Non, c'est sur Marseille. Cannes, c'est la dernière saison de moi, que je ne garde pas un bon souvenir d'ailleurs. 2004-2005. C'est là que j'arrête. Je fais 6 mois et j'arrête. Parce qu'on m'avait demandé, j'arrêtais ma carrière et tout ça. Et voilà, et après j'ai arrêté. Et l'équipe de Cannes à l'époque était en national. Oui, oui, moi j'ai descendu. J'ai arrêté. Alors vous avez, on va revenir un petit peu au présent là. Donc vous avez visité le nouveau centre d'entraînement et puis on est dans le musée national du sport en dessous de ce superbe stade. Et vous l'avez déclaré aussi avoir adoré Patrick Vieira comme joueur. Ah oui. Et donc votre sentiment un petit peu sur l'homme, vous l'avez connu un petit peu? Oui, mais moi je suis très content que ce soit Patrick Vieira, parce que je pense qu'il va faire du bon boulot, il est très consciencieux, et puis on en parle avec les anciens là, je pense que c'est... il faut lui laisser un peu de temps aussi, je pense que... Mais bon, apparemment ce que j'entends et ce que je vois, on lui laisse quand même le temps de se construire, je pense qu'il va y arriver très correctement. Quoi. Mais c'est parce que c'était un grand joueur et il sera. Je pense que ça sera un très très bon entraîneur. Ouais. Alors vous avez vos fils qui sont là, qui sont d'ailleurs nés à Nice tous les deux. Ils sont là. Alexandre et Andréa, oui, on les faisait tout à l'heure. Bon, il y en a un qui joue au Bosse, qui joue à Bandol. À Bandol, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et l'autre il joue au Real. Mais à la PlayStation. Non, Real Madrid. Mais il a un appartement à Madrid. Non. Ils m'ont étonné qu'il n'en sortait pas une. Et donc, et puis vos parents aussi sont venus, donc vous êtes revenus en famille en fait pour venir soutenir le GC Nice face au LOSC. Voilà. Et en espérant que ça ait été la victoire pour vous. C'est ça le plus important. Et alors vous êtes patron, vous êtes dans le Var, vous êtes au Beausset, vous êtes au Beausset, donc c'est à 20 km au-dessus de Toulon, déjà, ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Et donc vous vivez des jours heureux là-bas en famille avec vos fils et vos parents. C'est ça, exactement. On est à la campagne, on est tranquille. Vous êtes en temps vélodrome aussi? Ah oui, oui. Mais plus maintenant, mes fils ils sont assez grands, maintenant, ils y vont tout seuls. Mais ils y vont, c'est sûr, parce que je suis sûr entre deux et moi, souvent. Et ils savent très bien ce que je ressens moi, ce que je sais ce qu'ils ressentent eux. Mais c'est comme ça, c'est quoi qu'on en dise, eux c'est de Niçois. Moi je suis Marseillais. Alors eux ils sont pour le Loing, moi je suis pour Nice. mais voilà. C'est comme ça. Mais bon, ils regardent aussi Nice quand même, moi aussi je regarde l'OM aussi, faut pas non plus. On a le droit d'être plus aimé de clubs hein, aussi. Hein. Surtout quand on a été joueur, des fois, quand on fait 17 clubs, il y a des joueurs qui ont fait 17 clubs dans leur carrière. Donc bon, après, ils peuvent aimer plusieurs clubs, c'est normal. Non, rien à faire, c'est Nice. L'OM, j'aime, mais c'est voilà, vous avez ce petit plus pour le gym. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une petite question à poser à Frédéric? Vous êtes timide hein, ce soir, enfin cette fin d'après-midi. Ah, une question. Ça fait, que pensez-vous du nouveau centre d'entraînement de l'OGC Nice par rapport à votre? Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était c'est un bel outil de travail. Ils ont tout ce qu'il faut, les terrains sont magnifiques, la salle de muscu est fantastique, ils ont tout pour le staff médical, c'est tout en place. Là j'ai croisé encore Philippe Boulon là. On arrive aux 5 minutes. Là, je pense qu'ils ont vraiment un bel outil de travail. Quoi. Il faut jouer la 5e, 6e place. Ils n'ont rien à envier, Nice n'a rien à envier à Rennes, à Saint-Étienne ou à. Voilà. D'accord. Pour moi, il y a Paris.
et qui sont, alors eux, on ne peut pas les toucher. Mais après, Lyon, Marseille, bon, Monaco, cette année, ils sont dans la ramasse. Mais sinon, je pense que Nice, Rennes, Saint-Etienne, peut arriver à la 5e position. Voilà, comme c'est arrivé les dernières saisons, d'ailleurs, on fait de très bons résultats, avec notamment une 3e place. Ah, les questions d'Étienne. Bonjour, Fred. Pouvais-tu nous dire que ressens-tu par rapport à cette invitation du club de l'OGC Nice? Ah, c'est déjà, j'ai remercié beaucoup Virginie Rossetti, directrice de la communication. Et après, je te remercie parce que bon, mes fils voulaient absolument qu'on vienne. Ça faisait longtemps. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de très démonstratif ou j'étais pas comme sur le terrain, quoi. Mais finalement, ils ont réussi à me convaincre et il y a un autre ami, Jean-Charles Cohen, qui m'a aussi dit de venir. Donc voilà. Donc vous êtes là ce soir et on en est très heureux. On vous remercie. Bah, écoutez, on va vous applaudir bien fort. Merci. On vous souhaite un bon match tout à l'heure. Soulevez bien haut les glons. En tout cas, là, on va vous remettre les glons. Et puis, on va vous donner rendez-vous, vous, amis sportifs, on va vous donner rendez-vous pour le prochain match. Donc, alors, du coup, j'ai un trou. Hein. Mardi 4. C'est Angers, non? Ouais. Oui, c'est Angers, donc c'est un mardi soir, je crois. On va retirer ça tout à l'heure, pour savoir qui est présent, qui sera le joueur invité. Voilà, on va passer donc les autographes, les selfies, on va donner une petite carte et puis on va. Hola, mio bella Nisa, regina dei flui, vittorisa. Io canterai tu giù, cantai ai montagna, io ti utanri de co, li ti verdi campagna, li ti